les dames qui sont assises là-bas, parce qu'une, c'est celle en rose, là. Oh. C'est le costume Bastien. Les femmes de condition moyenne, dira-t-on, qui portent ce vêtement qui s'appelle una valletta. À Bastia, on les porte ou noir ou bleu marine. Si on la porte sur la tête, elle est scamoulade. Si on la porte retroussée, elle est spolivante, comme la dame qui a sa petite châtaigne et que quelqu'un a tripoté et que les mains sont tombées. Et puis autrement, on la porte falla. Hein?
Donc cette faldette, comme porte madame, c'est le seul vêtement traditionnel corse qui est traversé les siècles pour les femmes, je m'entends, hein, pour les femmes, puisqu'on peut la voir lorsqu'il y a la procession de la Semaine Sainte à Brandes. Hein, voilà. Par ailleurs, parmi les costumes Bastier, vous avez le pêcheur, le marin pêcheur, qui porte un retami jamais rouge, parce qu'en mer, on la voit de loin, et que par conséquent, on sait qu'il s'agit d'un pêcheur, il n'y a pas de problème. Il porte un anneau à l'oreille parce que c'est sa monnaie d'échange. S'il est dans un port étranger et que la monnaie n'a pas cours, il échange simplement son anneau d'oreille pour sa somme en argent et ça lui permet de commercer. Et il porte sur l'épaule ou garpote et au mollet les guêtres qui sont importées de Marseille par leur forme, mais qui sont tissées ici en Corse, en poil de chèvre. À côté, eh bien, il y a la poissonnière qui vend son poisson et qui porte le mets à roue relevé à la mode du Cap Corse. Enfin, les fiumurbace, elles, vous voyez, il y a des signes identitaires différents. Les fiumurbace, on les reconnaît parce qu'elles ont toujours le mets à roue noir et le tablier bleu. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Elles portent pour le dimanche le costume qui se trouve ici, à votre droite, c'est le costume de dimanche. L'autre, c'est la tenue de travail pour faire le pain, bien entendu, puisque nous sommes au pied du four. Et elle porte le coutillon, c'est-à-dire la jupe en patchwork piqué, qui permet d'être isolée du four. Et les pointes du mets à roue sont remontées pour pas que ça se prenne avec la pelle du four. Voilà. Voilà quelques petites explications sur ces costumes. Tous ces costumes sont les reconstitutions exactes, les copies et les reconstitutions très exactes des costumes qui ont été portés entre 1820 et 1860. Hein, c'est précis dans le temps. Et bien entendu, ce sont des reconstitutions. C'est-à-dire que je ne me suis permis absolument aucune interprétation, ni dans la confection, ni dans la recherche des tissus, ni dans la fabrication. C'est les mêmes que vous rencontreriez au coin de la rue si vous aviez la machine à remonter le temps. Voilà. Je vous passe juste un petit mot des costumes que porte le groupe Otuaot. Ce sont des costumes qui sont nés ici, in Bastia, qui sont l'œuvre d'un modèle. Oui, un styliste, plus exactement, hein, de Bastia, et qui s'est inspiré des plus anciennes traditions de notre île, des signes identitaires que l'on retrouve dans le costume, pour recréer de façon magnifique un costume de danse typiquement corse. Alors,